Salut, c'est Shunchi, et moi ici pour le 30e épisode de Nibiru, et moi ici cette fois-ci dans le monde de Fifoux. Pendant le temps qu'il n'est pas là. Alors, il a plein de choses intéressantes que je pourrais lui piquer, tiens. Bon, alors pourquoi je suis en ce monde? Tout simplement parce que j'ai besoin d'iridium pour les panneaux solaires que vous avez me fait, que vous avez vu que j'ai entamé dans le dernier épisode. Alors le problème c'est qu'en fait, l'iridium, on le fait plus de 36 000 façons. La façon la plus courante, c'est d'utiliser les minerais. Le problème, c'est que par exemple, ici, vous voyez, ok, ben, les minerais les plus courants, c'est le nether iridium et le iridium normal. Le bonus avec le nether iridium, c'est qu'on en obtient deux fois plus et qu'on obtient du platinium en plus. Le souci, c'est que dans mon cas, avant, j'utilisais du platinium dans un grinder. Platinium. On utilisait du platinium. On faisait encore laissez-moi juste palladium. À quoi sert le palladium? Ça restera une bonne question. Donc le platinium, on l'obtenait de la façon suivante. Du fer rouge dans un grinder, et quand on grindait avec du mercury, on obtenait avant du iridium, des tiny pile of iridium, si je me souviens bien. Le problème, c'est que si vous regardez bien, maintenant on obtient du cobalt et plus du tout ceci. Et là, ça va me poser problème. Et oui, étant donné qu'avant j'utilisais cette recette là et que maintenant elle n'est plus disponible, j'ai besoin de toujours d'iridium, mais je ne peux plus le produire comme avant. Alors j'ai regardé les recettes pour faire de l'iridium, et on peut le faire de deux façons. Donc soit on veut directement obtenir le minerai, comme ceci, soit on veut obtenir la dust. Alors ceci, on peut obtenir d'une façon beaucoup plus simple cette fois-ci. Les smelt peel of iridium, on les obtient grâce au nether platinum. Bon, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Toujours platinium, iridium, tout. Osmium, voilà, on l'obtient aussi avec l'osmium, et en fait le nether est un monde beaucoup plus propice à l'iridium actuellement. Donc je pense qu'en fait Fifoux, involontairement, via une mise à jour, vu qu'avant on faisait l'iridium autrement, ben grâce aux mises à jour, ben il s'est octroyé tout l'iridium. En fait maintenant je pense qu'il faut obligatoirement utiliser un quarry dans l'iridium, dans le nether pour avoir de l'iridium. Tout ça pour vous dire que lui dans son tri il a beaucoup d'iridium, et il m'a dit que je pouvais me servir, donc je reprends un petit peu, beaucoup. Je vais faire un petit slash home, je vais rentrer, je vais le mettre dans mon tri. Je voulais juste vous montrer que je m'étais un petit peu autorisé, sinon en fait je ne peux pas trop continuer vu que j'ai fait qu'un seul Ultimate Hybrid Solar Panel pour faire tout ça, et je voudrais juste savoir comment je peux utiliser ça pour faire des ingots. Donc ok, ça je peux pas le produire avec autrement, non. Bon, alors iridium, est-ce qu'il a une utilité sous cette forme là en particulier, à part faire des ingots? Je ne crois pas. Donc si j'ai une fournaise dans les environs qui me permet d'injecter tout le temps ça, bah, je vais toujours pouvoir me faire des lingots grâce à cette recette là. Enfin soit, tout ça pour vous dire que j'ai un peu piqué d'iridium pour pouvoir faire la suite de mon épisode, mais bon, normalement vous ne voudrez pas trop m'en vouloir, je peux pas faire autrement actuellement, à part en galérant, galérant et galérer, et j'ai pas envie de galérer, galérer en galérant. Donc on va le faire à la façon barbare. Et pourquoi il n'y a pas de fournée auto-hétéro? Bon, on va le faire manuellement, et on verra pour la suite. Allez, je vous prends pour la suite des vidéos. Et voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ultimate Hybrid Solar Panel. J'espère qu'il y en a 10. 5 et 5. Ouais, parfait, ça fait 10. 5 plus 5, ça fait 10. Donc c'est parfait. Et vous avez aussi remarqué que j'ai rasé la montagne. Et oui, je me prépare pour le prochain live qui devra construire tout ça et tout ça. Donc comme ça, j'ai le temps, une heure ou deux heures de vidéo, de stream, ça devrait aller. Stream que je prévois faire récemment, mais vous inquiétez pas, j'ai lu vos messages et donc je compte bien vous informer à l'avance que du stream arrivant,
D'ailleurs, je me pose une petite question. Ah! Et oui, vu que je fais plus d'énergie que nécessaire, mon diesel commence à revenir. Je suis un génie. Et propolis, c'est bon, c'est tout cuit, c'est tout gris. Maintenant, on va faire utiliser une nouvelle machine. Et oui, pour cet épisode-ci, il y a deux choses que je dois rajouter. Deux choses que je n'ai pas encore. Si, en fait, que j'ai bien. Mais en fait, comme vous avez compris, j'ai dû piquer de l'iridium à Fifoux dans le début de l'épisode. On va régler ce problème-là de la façon suivante. C'est qu'on va créer notre propre source de. Je parlais de quoi déjà? De. Oh, mon petit cerveau. Allez, fonctionne. De laser drill, donc mon propre stock d'iridium. Donc il me faut laser drill pré-chargeur et un laser drill, tout simplement. Donc je pense qu'il en faut un comme ça et quatre pré-chargeurs, c'est ça? On va le faire comme ça en tout cas. Parfait, je suis parti là-dedans. Je sais plus combien d'U que je peux envoyer, mais je referai du 512. Vu qu'il y en a 4, 512 x 4, ça fait 2048. Et vu que j'ai 10 panneaux solaires, ça devrait suffire pour le moment. On va le faire comme ça, on verra par la suite. Alors, ce que j'adore dans ce jeu, c'est. On veut faire un truc, et finalement, on fait 10 000 trucs avant d'arriver à faire le truc en question. Là, ce que je veux faire, ce sont des lasers, donc. Alors, les lasers. Hop. Des lasers, je disais donc. Des lasers, et pour ça, il me faut faire tout ceci. Alors, ça j'ai. Et encore, je ne suis même plus sûr que j'ai Lightly. Lit, ah, je ne l'ai plus, on va en réclamer un autre. Donc, je disais des lasers. Allez, voilà. Donc, tout ça c'est facile à obtenir, sauf bien sûr une pièce tout le temps, c'est celle-là. Alors, celle-là, ça c'est plus ou moins facile à avoir, ça devient déjà plus dur, ça prend du temps surtout. Et après, on arrive au tungsten plate. Le tungsten plate, on le fait avec ceci, avec des lingots de tungstène. Et le lingot de tungstène, on les obtient de la façon suivante, avec du hot tungsten ingot. Hot tungsten ingot qu'on obtient comment? De la façon suivante, avec du tungstène dans un blast furnace à 2500 degrés. Je viens d'obtenir le tungstène et comme vous avez pu voir derrière moi, il y a l'industriel blast furnace qui va donc pouvoir réaliser ceci. Mais donc, j'obtiens ceci, après je dois utiliser le vacuum freezer, donc je dois me crafter un vacuum freezer pour pouvoir crafter ça. Nanana. Et voilà, je ne deviens pas bien. Et en plus, ça prend du temps. Nanani. Ah. Donc vous avez compris, je suis encore embarqué. Je me suis encore embarqué dans quelque chose. Je me suis encore embarqué dans quelque chose qui va prendre du temps. Mais le temps, c'est quelque chose que je connais bien. Alors on va prendre le temps de prendre le temps et ça va aller. Enfin, je l'espère. Bon, voilà, j'ai fait mon vacuum freezer. Ça m'a pris encore un peu de temps. Et donc maintenant, je peux y introduire ceci. Ça va, ça prend pas trop de temps non plus. En attendant. On va descendre doucement, hop, 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 hop. Oui, j'ai dû décaler ça d'un bloc. Et donc ici, il doit y avoir un hot tungsten steel, un hot tungsten ingot, pardon. Pas steel, encore, du moins. Ok, ça m'en fait 5. Et maintenant, on va descendre tout en bas. Voilà. On arrive ici. On regarde pas ça. On vient ici, clear. On met ceci ici. On remonte et donc normalement maintenant on peut redescendre en fait. Et je peux regarder ici tungstène et normalement comme prévu j'ai un lago de tungstène. Ouais. Hop et bien sûr j'ai oublié de prendre des patterns. Hop. Hop hop. Encoder, ça c'est pour mes machines. Ensuite j'avais besoin donc de ça pour faire des plates en réalité donc on va remonter. Un étage plus haut où il y a des plates. Ici par exemple, cette machine-là, je pense qu'elle fait pas trop de plates. Elle a qu'une recette pour le moment, elle va en avoir deux maintenant. J'attends que la plate se fasse, je la prends, je crève la recette et ça me fait donc mon laser. Normalement, je devrais être capable de le réaliser par la suite grâce au dernier élément qui est celui-ci. Alors, on vient ici, on lui dit que tu formes ceci, on fait encoder. Après ici on tape laser. Laser, je disais donc. Sauf que cette fois-ci c'est pour les super conducteurs. Hop. 1, 2, 3.
encoder. Tac. Super. Begin. Et normalement, maintenant, ça devrait arriver, même si ça prend un certain temps. Donc, à tout de suite, une fois que j'ai donc après crafté le laser, vu que bah, le craft de laser n'est pas vraiment différent. Sauf que j'ai regardé jusqu'à présent qu'un seul laser. Et ça pourrait changer les donnes, par contre. Est-ce que celui-ci est plus compliqué? Ah! Il faut des pink slime balls. Alors là, maintenant, je vais m'occuper des pink slime balls. Sinon, le reste est relativement simple à obtenir. Alors, je vous reprends pour quelque chose de tout à fait inattendu pour vous. Eh oui, je vais me faire une nouvelle espèce d'abeille. Les creeperies. Les creepy, pardon. Waouh, les creepy, c'est car tu aimes les creepers, tout ça. Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait. Ben, vous avez vite comprendre. Gunpowder, j'en ai plus que 8. Là, tantôt, j'étais à 3. Donc, ça remonte quand même vite. Mais j'aimerais augmenter ma source de ça. Et donc, ceci produit des. 8%. Alors les austères en produisent 50%, mais toi t'en produis seulement. Ok. Soit, enfin c'est pour augmenter ma quantité de gunpowder tout simplement, car tout simplement gunpowder, la recette, ben le sulfure que je n'ai pas de natura vu que je n'utilise pas les nuages. Après il y a celle-ci que j'utilisais avant, mais bon, le Tome of Alchemist ne fonctionne plus. Ici du sulfure j'en ai, mais du sel pelleteur j'en ai pas, qu'on obtient dans le sable ou du potassium, nitrogène. Le problème c'est que là vous perdez toutes vos compressettes RCL. Hein. C'est pas une recette à faire à mon avis, c'est un peu même déconseillé. Sinon ben il n'y a rien de spécial d'autre, ça se fait à partir du minerai normalement, ou de soul sand, mais j'en ai pas à l'infini. Quoique j'en ai ah, de nitre aussi, mais le nitre je ne sais pas quand on l'obtient. Donc ici, sel pelleteur, nitre, ben, c'est tout le temps la même recette au final. Ici, sel pelleteur, nitre, nitre, mais qu'on peut remplacer par sel pelleteur. Ici, c'est pas utile. Donc la recette la plus facile pour moi, ce sera de faire de la façon suivante. Non, hop, hop, on va vite t'analyser. Tu as certainement un effet très sympa, l'effet creeper, qui fait des explosions ou un truc comme ça. Je ne sais pas, on va vite te modifier. Je n'ai pas envie de garder cet effet-là sur moi, ça peut être risqué éventuellement, mais je devrais m'en sortir. Donc voilà, ça me fait une espèce supplémentaire d'abeilles à élever, à cultiver, à nourrir, à faire beaucoup de choses avec elles. Et donc, ben voilà. À tout de suite pour la suite. Bon, on va aussi agrandir la table à plaques. Alors, vous m'avez vu chercher la tente du truc pour faire des creepers, gunpowder. Maintenant, je fais ceci. Là, vous êtes en train de vous dire, normalement, ou peut-être pas. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il nous parle qu'il va nous faire utiliser les lasers et finalement il fait tout à fait autre chose. Et oui, en fait, j'ai remarqué comment. Pour faire, ah bah, je vous ai dit plutôt tout simplement qu'il fallait faire des Pinky Slim. Des Pinky Slim. Des Slim Rose quoi. Et le problème, bah en fait. Non, c'est pas que c'est un problème, c'est plutôt un inconvénient. Ouais, comment utiliser un synonyme quoi. Tout ça pour vous dire en fait en réalité que voilà. J'ai décidé de faire autre chose pour les Slim Rose. En fait au début j'ai dit je voulais faire un petit truc tout con. Mais là Fifou qui est venu sur le TS pendant 2 minutes. Enfin, plutôt il est venu il y a 2 minutes et j'étais là en même temps que lui. Et là il me dit que lui il a fait tout un bazar chouette, bazar chute, encore un gros truc monstrueux comme il a l'habitude de faire. Pour alors le truc c'est que j'essaie de trouver mes mots en même temps que je parle et j'y arrive pas du tout, c'est génial. Qu'il a fait beaucoup de choses, hein. Il a fait beaucoup de choses d'ailleurs. Qu'il a fait une automatisation parfaite ou éventuelle ou complète. Ou... Pourquoi j'utilise des mots obsolètes? J'ai envie d'utiliser des mots, alors j'en utilise dans tous les sens qui veulent rien dire. Mais c'est pas une bonne intention quand même. Mais voilà. Donc conclusion, tout ça pour vous dire qu'il a fait un truc super compliqué comme il a l'habitude de faire, comme son truc à zombie, c'est pas simple, il a continué de faire un tout petit truc simple, il a fait un grand bâtiment et tout ça. Et finalement, moi je me suis dit, oh ben je vais faire pareil pour les vaches comme il l'a fait lui. Et donc je vais faire tout un système aussi un peu plus complexe que prévu. Voilà. Ben, voilà, cette fois-ci je pense que j'ai plus ou moins dit ce que je voulais dire, même si je suis pas sûr que je suis arrivé au bout d'une phrase correcte. Tout ça pour vous dire que ça va être fun. Non, en fait, oh, je m'embrouille. Tout ça pour vous dire que je vais faire je vais pas créer mes vaches à base d'un mob spawner. Je vais faire ça à base d'une chaîne bien complète, bien correcte. Et
Et voilà. Alors maintenant, on va poser encore cette dernière chaîne de blocs et on va espérer que je me suis pas gouré. Et j'ai l'impression que je me suis gouré, hein, mais c'est pas qu'une impression, à mon avis. C'était qu'une impression. J'ai une grande table de craft qui va parfaitement normalement fonctionner. Donc du coup, j'ai dit beaucoup de choses pour pas dire grand-chose, mais c'était fun, c'était plaisant, c'était amusant. Je dis du caca, désolé pour ceux qui essaient de me comprendre. Moi-même, je ne me comprends pas. Donc sur ce, vous allez comprendre en images. Que en fait, tout ça pour vous... Ah, voilà, j'ai retrouvé la suite de mes idées. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, je ne vais pas faire... j'ai pas terminé aujourd'hui les lasers, vu que je ne vais pas obtenir de slime rose. Vu que le slime rose, je vais le faire tout un mécanisme pour avoir des vaches. Donc ici j'ai mis un peu de dirt, hein, vous avez, comme vous avez pu le voir, de la dirt ou que je transforme en graisse d'ici le prochain épisode, pour vous dire que je vais faire en réalité, toi tu me tires pas là-dessus, donc une reproduction de vache où je vais les tuer avec le slaughter house ou je ne sais plus trop quoi, slaughter house, et donc on va au final obtenir de la viande et des slime rose, des slime rose que je vais faire pour les lasers, mais j'ai pas mis l'unité de là avec la viande je vais faire toute une chaîne industrielle pour être un peu plus dans l'industriel tout simplement. Donc voilà en gros l'idée. Je sais pas si vous avez compris, en gros je vais faire un système un peu plus compliqué que je ne pourrais pas faire dans cet épisode-ci, ou plutôt je si je pourrais faire dans cet épisode-ci, mais je préfère le faire dans l'épisode prochain. Tout ça pour dire que c'est un sacré bordel et que pendant cet épisode-ci, pour finir cet épisode-ci, je vais faire plein d'ellipses dans tous les sens. J'étais clair ou pas? Bonne question. Doué comme je suis, j'ai carrément automatisé le craft du Vajra. Et oui, enfin le retour du Vajra. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait son apparition dans la saison, dans ma série à moi. Et ben le voilà, je le request. Il devrait arriver une fois qu'il sera crafté, en toute logique. Bon, il y a quand même quelque chose avant qu'il se crafte. Alors pourquoi le retour du Vajra? Oh, mais c'est tout simplement parce que j'adore son style touch. Il y a rien à dire, il est incomparable à ce niveau-là. Et puis maintenant que j'ai une Quantum, ben le Vajra est quand même un élément. Me correspondant assez bien, je dirais, tout simplement. Et puis, ça me rajoute aussi quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt pour cet épisode-ci, hein. Je crois que j'ai encore voir. Ah, le clock. Je vais voir, il y avait un truc qui s'appelait clock, hein, avant. Le truc pour se mettre à vis. Non, c'était. Si, c'est comme ça qu'on écrit clock. Overclocket. Hearthstone clock. Ah, non, cloak, pardon. Cloaking. Mais le craft coûte quand même relativement cher encore. En fait, le truc, c'est que j'espère que ce jour-ci, il va marcher. Alors, je vais essayer de le recrafter pour le marcher. Vu qu'en fait, Fifou que c'est présent, je pense qu'il regarde un épisode de Game of Thrones. Et je pense que je vais le troller pendant ce temps-là. Donc, comme ça, je finirai mon épisode en beauté. Et je pourrais faire un très très bel épisode pour le prochain épisode. Enfin, faire un épisode plus complet pour le prochain épisode, tout simplement. Est-ce que mon Vajra s'est crafté? Et mon Vajra s'est crafté. Ah! Alors maintenant j'ai vu qu'il était écrit Silk Touch disable, mais alors. Hop, on va quand même peut-être le nourrir. Le nourrir. Le remplir de U. Tint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 
Gravitation suite, donc option, contrôle. La gravity suite nous rajoute une seule touche de contrôle, je pense. M. Non, F. Comment on passe du mode... Bon, je vais faire plus simple. Expliquez-moi comment on passe du mode active à inactive avec levage rein, tout simplement. Ce sera... Enfin, si vous pouvez me le dire, ce serait super sympa. Vu que là, en final, ce vagera me sert strictement à rien si je n'ai pas le seal touch dessus, vu que c'est principalement pour ça que je l'utilise, moi. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la bonne nouvelle. J'ai crafté le cloaking device. La mauvaise, c'est qu'elle ne peut pas se faire recharger durant une MFSU. Conclusion, il me faudrait donc une AESU, mon avis, pour ce faire. Et AESU, c'est un petit craft un petit peu plus compliqué. Et je ne suis même pas sûr que j'ai encore automatisé tout ça. Donc, je vais automatiser ce craft là, mais je pense qu'on va le faire autrement. Je pense que je vais le faire avec des potions classiques. Si je tape invisible, alors il y a celle-là qui est invisibilité sneak, tout est pas. Alors, quand on craft ça. On va vite le crafter car c'est un craft assez facile, ce final. Assez facile pour le faire, wool, avec un peu de lapis. Voilà. Et sinon, je retape invisi, invisi. Sinon, de toute façon, hop, en côté, donc je l'ai crafté. Sneak, toutes les portes consument des enderpearls. Donc, je vais prendre des enderpearls avec moi. J'en ai un petit paquet. On va essayer de la mettre. J'imagine que ça se met. Ah non. Clic droit, clic gauche. D'accord. Je suis invisible. Ah, je suis invisible. Parfait comme item. Le problème, c'est que je dois retirer mon armure pour ce faire. Bon, donc Chifoux est à l'instant AFK. J'ai préparé quelques alarmes, un peu d'hearthstone et tout ça. Je fais vite une brève petite pause et je reprends directement après. Bon, allez, je me sens prêt à aller dans son monde. On va tenter ça. On active la cape, on est donc invisible. On fait un slash back, normalement la dernière fois que je me suis TP, c'était de son monde. Hop, c'était bien là. Je me suis directement mis en sneak. Alors là, il y a quand même du freeze vu que ça, je suis en train de charger son monde. Et ce qui serait bien, c'est que je le trouve sur la minimap et que j'aille le troller en douceur. Qu'est-ce qu'il était en train de faire au dernier épisode? Il s'occupait des zombies. Bon, on va marcher pour le moment. Un zombie PNJ, ce serait leur. Zombie PNJ. Ah, je connais pas du tout sa base, par contre, ça va être un peu dur à le retrouver comme ça. À mon avis, il devrait être dans les environs. C'est ça son nouveau truc, hein, son nouveau sas et tout et tout. Ouais, c'est bien ça. Mais il n'a pas l'air d'être dans le coin. Et voilà mon ami Chifoux, c'est là. Bon. Je
Je ne sais pas quoi faire, surtout qu'il y a des particules quand même, donc c'est quand même pas trop discret les particules. Ah. Allez, on va mettre un petit panneau ici pour commencer. Oh bah zut. On va quand même essayer d'éviter de se faire repérer. Qu'est-ce qui pourrait... Oh, ça pourrait le faire chier un petit moment. C'est... Allez, ça ici. Hop, hop. Et ça va faire souffler. Non, ça marche aussi derrière les murs. Donc je pourrais carrément en placer derrière les murs. Et là, ça le ferait juste chier. Et il comprendrait pas pourquoi ça ferait ça. Hein? Aïe. Oh oui, là c'est parfait. Du vent, je souffle un peu partout. Voilà, je suis poussé, parfait. On va quand même éviter de garder quelque chose en main. Oups. Il est là. Il est là, mais il me voit pas. C'est génial. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon inventaire que je pourrais le faire? J'avais des alarmes. Je stresse un petit peu, je dois vous avouer. Oh, j'avais ça aussi. On va garder ça pour plus tard. Oh là là, je sais pas quoi faire. Car bon, les particules, c'est quand même pas discret. Et avoir un truc en main non plus, c'est pas discret. Est ici, hein. Alors, normalement, si je mets ici un truc pour souffler. On va faire le tour du mur. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi le problème? Un petit coup de lag, ok. Est-ce qu'il se pose des questions? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis quand même tenté de mettre l'alarme, mais si je mets l'alarme, c'est sûr qu'il va savoir ce que je suis là, quoi. Je mets quand même en sneak au cas où qu'il y aurait un nom, mais... Ah là, il a repéré le panneau à l'instant. Est-ce qu'il a repéré ça ou pas? Est-ce qu'il sait que je suis autour de lui? Et ça consomme en fait toutes les 2 minutes, à mon avis, une... Un truc de... une underpearl. Là, il aurait pu me voir. Enfin, il aurait pu voir les particules. Ça tombe, je suis même pas visible et je me crois pouvoir être invisible, mais ce n'est peut-être pas forcément le cas. Bon, les particules, ça va pas être discret, n'empêche, si je passe derrière une torche, je pourrais peut-être me confondre avec la torche. Et si je tombe là, je suis mort. Même si je casse ici un truc trop près, il va l'entendre. Je suis un peu coincé. Là, c'est actif comme signal.
Je suis perplexe. Et jamais garder un item en main, Shunchi, jamais. Dans une situation pareille. Aïe! Arrête de me souffler, toi. Oh, si je lui mets une alarme ici, il va jamais la retrouver. Il faudrait que je mette le truc là, mais s'il l'entend maintenant, c'est fini pour moi. Et voilà quoi. Allez, je me suis enfermé ici en fait. Hop, on saute et on part. On va aller voir plus loin s'il n'y a rien d'autre à faire, que je pourrais faire plutôt. Alors s'il y aurait un endroit où il y aurait encore de la dirt que je puisse mettre du mycélium à côté, ce serait parfait. Et je pense qu'il y en a pas trop loin ici dans les couloirs là en bas. Ouais, là. Là, il y a du mycélium. Enfin, il y a de la dirt, donc du mycélium qui pourrait pousser. On va un petit peu aider la pousse comme ça, on en met un peu partout. Il va avoir du mycélium, il va se demander quoi. Ce qui en soi n'est pas un problème pour moi. Et ça peut pousser aussi comme ça, normalement ça va descendre. Ça va être juste génial si ça fonctionne comme je le veux. AFK bruit de fond. Ok. Alors, je lis un message que Harry vient de mettre en fait. Hein. Bon, je pense que je vais me limiter là. Ah oui, ces vaches qui s'enfuient. Ah, ça, c'est des plantes, des crops. Je ne sais pas. Ces vaches, elles viennent d'où? Doivent venir de pas trop loin. Elles viennent peut-être de l'étage au-dessus. Ah, mais ça, je peux pas remonter un étage. Dans le pire des cas, moi, je peux mourir ici, par contre. Ça, c'est une possibilité. Possible et véridique et unique dans son genre. Qu'est-ce que je pourrais encore faire pour l'ennuyer un petit peu, mais sans détruire, vu que mon but n'est pas de détruire. C'est quoi ici? Ah, des plantations. Youp. 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 Oh merde. Yop. Yop, on va s'imiter à ça pour le moment. Il va certainement remarquer deux trois petits trucs plus tard. Enfin, il va certainement le remarquer qu'il verra mon épisode, mais voilà. Il est de retour et je pense qu'il a détecté quelques problèmes. Alors là, soit je suis repéré direct, soit il sait pas que je suis là. Soit il sait que je suis là mais il sait pas ce que je fais. Et il faut rien garder en main. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il m'a repéré, je ne suis pas sûr.
Je sais, il sait que je suis là, je viens de poser des panneaux à l'instant, donc il sait que je suis en train de faire quelque chose. Ah, un peu de suspense. Enfin, beaucoup de suspense pour moi. Bonjour, toi. À votre avis, si je le frappe, il sait que je suis là ou pas? Il n'y a pas assez de tests que j'ai fait en avis pour m'assurer le coup. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il est tombé. Non, il est toujours là et il est bien à ma recherche. Mais Fifoux ne comprend rien. Bon, allez. Aïe, aïe, encore un piège. Enfin, je sais pas, quand je passe en sneak par ici, apparemment ça foire un petit peu. Je vais tenter de faire un petit dernier truc. Il faudrait juste que je trouve en fait un mécanisme en redstone qui s'active pas en permanence, où je pourrais poser une alarme derrière et qui l'active de temps en temps. Et donc ça ferait une alarme un petit peu chiante, mais à distance. Allez, je vais essayer de trouver ça. Bon, j'ai enfin trouvé ce foutu levier qui pouvait fonctionner à tout moment. Je ne sais pas s'il s'en sert encore. C'est pour faire une radio, je ne pense pas. Mais comme ça, il a aussi un bonus d'alarme. J'ai rien laissé d'autre pour le troller. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que je m'approchais trop près de lui, il y avait le zombie villageois, enfin le zombie villageois, le zombie pigman qui m'attaquait. Et d'ailleurs, c'est par là qu'il faut aller. Je fais une dernière tentative d'approche et après, basta. Je vais le faire au panneau, cette tentative d'approche. S'il ne me voit pas, c'est vraiment qu'il est mauvais. Hein. Cette fois-ci, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. J'avance avec le panneau en main, le con. Bon, je vais m'en arrêter là. Hein. Donc sur ce, les amis, je vous dis salut et à la prochaine. Bye. Toute résistance serait futile.